On pense qu'il faisait partie de la mafia russe. Oui, il était membre de Vor v Zakonie. Dans les prisons russes, toute votre vie est tatouée sur votre corps. Des tatouages. Si vous n'avez pas de tatouages, vous n'existez pas. Nous n'avons pas pu sauver la mère. Une jeune femme non identifiée est décédée le 20 décembre à 23h13. Et ce 20 décembre à 23h14, une petite fille est née. Anya, où est-ce que tu as vu ça? Je l'ai trouvé dans le sac d'une jeune femme morte dans mon service. Il fallait l'enterrer avec ses secrets. Je suis sage-femme. Est-il possible de parler au propriétaire? Anna, je suis vraiment désolé. Si elle avait travaillé ici, je m'en souviendrais. C'est triste. Ça ne fait rien. J'en apprendrai plus quand j'aurai fait traduire son journal. Son journal. On va boire un verre? C'est Noël. Tout est fermé. Parfois, quand c'est fermé, il suffit juste de pousser les portes. Cette fille s'était retrouvée aux mains des Vor v Zakonie. Tu sais ce que ça veut dire? Comment êtes-vous entré ici? Il y a toujours des portes ouvertes. Il veut le journal. Le nom de mon fils Kirill y a mentionné à plusieurs reprises. Il menaçait de faire du mal au bébé. Si le journal se retrouvait aux mains de la police... Ça va, patron, vous inquiétez pas, les flics ne trouveront rien. Elle avait 14 ans, c'était une gamine! Oubliez tout ce qui a pu se passer et évitez les gens comme moi. Vous avez lu le journal, comment pouvez-vous continuer à faire ce que vous faites? Je décide ce qui est bien ou mal. On ne peut pas se permettre la moindre négligence. Je dois savoir qui vous êtes. Montrez un peu de respect. Ça, c'est du respect. Les Vor sont quand même mal contagieux. Tu es condamné une fois qu'ils t'ont touché.